Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du coffret collection tournoi premium du professeur Ketelaria. Donc voilà, je vous présente la boîte. C'est une ETB rétrécie en fait, parce que ça contient exactement pareil qu'une ETB, mais au format compact. Compact comme une brique de lait. Voilà, je vous montre sur le côté. Derrière, si vous voulez faire pause pour lire, menez des recherches sur votre prochaine stratégie avec professeur Ketelaria. Voilà. Et le contenu de cette boîte. Voilà, on a fait le tour. Et on va s'ouvrir ça. J'espère ouvrir ça sans trop l'endommager. Hop, ça va. Je veux bien ouvert, sans trop de difficultés. Donc nous avons tout ce qui est jetons, des cartes promo et les sleeves. Donc voilà, la boîte est vide. Nous avons les sleeves qui sont très bien, qui sont très jolis, mais par contre qui sont mat. Nous avons les dés. Hop, on n'a pas le gros dé apparemment, on n'a que les petits. Nous avons le jeton qu'on va mettre ici, comme d'habitude. Nous avons les marqueurs qui sont en plastique et pas en métal, même s'il y a un effet métallisé. Et ça c'est fait. Et nous avons les cartes promotionnelles qui se trouvent dans ce petit sachet. Et voilà. En fait, c'est les cartes qu'on retrouve dans les séries, mais par contre qui ont un effet holographisme. Ah, il y a un, vous voyez ici? Il y a un, comment ça s'appelle? Il y en a même un autre ici. Des swirls ou je sais pas quoi. Je sais plus le nom. Il y en a deux. Il y en a un ici. Et il y en a un ici. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Bon, il y en a deux sur cette carte-là. Ici, il n'y en a pas. En fait, ça, c'est les cartes qu'on retrouve dans le set et qui sont généralement pas au lot. Et donc, ils ont rajouté un effet holographique sur les cartes normales. Et donc, nous avons l'adresseur Full Art de recherche professorale, professeur Ketelaria. Qui est très très belle. Bon, je vais vous sliver ça. Quatre sleeves. Et un top loader pour celle-ci. Voilà. Elle est protégée. Il faut que je protège les cartes holo aussi. J'espère franchement que vous allez bien, que vous avez eu de belles ouvertures de votre côté. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pu dropper. On va zoomer un peu. Hop. Et donc nous avons le porte-deck qui contient normalement 7 boosters si je ne me trompe pas. Voilà. Très belle boîte aussi. Qui n'est pas en carton mais en plastique rigide, qui est très très joli. Et donc nous avons les 7 boosters. Nous avons 3 stars étincelantes,
3 points de fusion et un évolution céleste. Ils auraient pu mettre 4, hein. 4 stars étincelants, ça aurait été plus intéressant. On fait les stars étincelants. Et on va faire évolution céleste à la fin. Star étincelant et point de fusion en premier. Donc nous avons Genesect, Mew et mince. Comment il s'appelle? Là j'ai des trous de mémoire comme ça des fois. Pas Fantominus. Gengar. Gengar c'est en anglais. Bon, on verra ça plus tard, hein, c'est pas grave. Bon, vous voyez la façon de quel Pokémon c'est. On va commencer par Genesect. En espérant avoir quand même une belle ouverture dans ce magnifique ETB compact. Le code pour vous, les amis. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie de type feu. Non, eau. Énergie eau. Belle de neige. Fenard. Togedemaru. Zorua. Coquillasse. Chenipan. Rototop. Nous avons Lixi. Nous avons en commune Reverse Floutajou et on termine avec une rare holographique de Deoxys. Ça commence tout doucement avec une petite holo. Allez, on continue. Hop. Je retire le code et 1, 2, 3, 4 avec une énergie de type plante, non, énergie type psy, un seul lourdeau, Igolta, Charpedo, Laporeille, Bargantua, nous avons Larvibule, Ferrosange, nous avons Cradopo. Nous avons une peu commune reverse de Gravalanche et on termine avec une simple rare de Trépassable. Ok, ben booster Trépassable. Hein. Allez, dernier booster de Mew. Le code pour vous, les amis. On y va. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie de type métal. Yes, ça mérite des pouces bleus. J'ai deviné la bonne énergie. Passive puissance. Chelours. Dispareptile. Evoli. Coquillasse. Voltorb. Feuillajou. Charibari. Nous avons en commune reverse Motisma. Et on termine avec une simple rare de Corvallus. Donc, les boosters de points de fusion n'ont rien trop donné, à part une holo pour l'instant. Et donc, on va faire les boosters de Star Étincelante. On va commencer par Shaymin, Arceus et Dracaufeu. Allez, Shaymin, sors-nous quelque chose d'intéressant, s'il te plaît. Hop. On se spoile pas. Je retire le code. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie de type foudre. Non, énergie de type plante. Capoeira. Bassin de magma. Colomar. Crémy. Carabing. Mélofée. Ceribou. Caraclé, nous avons une rare river de Chépignon et on termine avec une rare holographique de Karchakrok. Donc, on va dire booster moyen. Une rare reverse. On va remonter ça pour un peu plus d'espace. Une rare reverse et une rare holo.
l'instant, c'est moyen. Allez, Arceus. Code pour vous, les amis. Faites-vous plaisir. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie obscure. Non, énergie électrique. Énergie électrique. Vibranymphe. Étourvol. Chimpanfeu. Quenotor. Electek. Potalibré. Mustéboué. Ah, j'ai pas fait attention, elles sont super miscutes. Hein. Ces cartes-là sont miscutes. Hein. Ce booster. Recknote. Nous avons en peu commune reverse Mustéflo. Et on termine avec une simple rare de Manaphy. Là, toutes ces cartes-là sont très très mal coupées. Je les ressors. Sauf les deux dernières, comme par hasard. Comme on peut voir, le cadrage, il est à l'ouest. Hein, sur toutes ces cartes. Ouais. On les met de côté. Hein. Allez. Dernier booster de Terre étincelant avant d'attaquer celui d'évolution céleste avec Dracaufeu. Pour l'instant, on n'a pas eu de gros hit. Il y a The Booster pour rattraper le tout. Bah là, c'est encore du miscut. Hein. Je retire le code. 1, 2, 3 et 4. Avec une énergie de type foudre. Non, obscur. Obscur. Gloria. Staros. Pack d'eau fraîche. Voilà. Vous voyez, encore un centrage carrément à l'ouest. Sur Cracknois. Nœud neuf. Étourmi. Balignon. Tiplouf. Nous avons Balignon en. En commune reverse et on, ah, nous avons Grand Bulle. Grand Bulle V, il me semble que je l'avais pas dans le dans mon portfolio. Donc on a une petite V. Pour l'instant, c'est la meilleure des cartes. Espérons avoir largement autre chose dans le booster Évolution Céleste. Une alternate, ça rattraperait tout. Ou une secrète. Allez, dernier booster pour remonter la pente. Le code pour vous, les amis, et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Avec une énergie de type eau, non, énergie combat ou pierre, rebombelle, l'énergie, Nemelios, passe rouge, baguiguane, hippopotas, tritonde. Et Lionceau, nous avons Flabébé en commune reverse et on termine avec une simple rare de Flambusard. Ok, booster, commençons par un M. Je vous laisse deviner le reste du mot. Alors, moment recap time. Nous avons eu Chapignon en rare reverse. Nous avons eu deux cartes holographiques, Deoxys et Karchakrok. Et pour finir, la carte V de Grand Bulle. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Droppez plein de belles cartes. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, le pouce bleu, le commentaire. Je vous dis bye bye.